Renaud. Merci. C'est lui. Alors, je sais que dans certaines émissions de variété... Je le connaissais pas, le La Fontaine. Ah. D'abord, j'aime beaucoup sa chanson, et mes musiciens aussi. Surtout celle-ci. Et les musiciens, ils sont difficiles. Hein. Et puis, ils aiment rien, les teigneux. Et on aime beaucoup. Et en plus, le garçon est formidable, très drôle et très gentil. Il nous a raconté plein d'histoires belges. Je te reviens le compact disque en plus de La Fontaine. Il y a certaines émissions que Renaud ne fait pas. Je ne sais pas si c'est l'animateur qui ne veut pas. Il y a une émission qui s'appelle Sacrée Surprise sur la soirée, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai beau regarder toutes les semaines, je ne vois jamais Renaud. Ah ouais? Bon. Je veux que... Attends, qu'est-ce qui paraît? Que tu ne veux pas la faire, que lui ne veut pas que tu la fasses. Ou que lui ne veut pas que je la fasse. Alors on s'est dit, bon, il n'a jamais de surprise, le Renaud, on va lui en faire. Et moi, je fais toutes les émissions que j'ai envie de faire, c'est pas dur. Il y en a beaucoup. Et il y en a quelques-unes que je ne veux pas faire. Alors les gens qui dirigent les émissions que je ne veux pas faire, au bout d'un moment, ça les énerve. Alors pour pas perdre la face, ils disent, ah, celui-là, je n'inviterai jamais. Mais ils peuvent, m'en fous qu'ils ne m'invitent pas, tant mieux, je ne veux pas la faire, les émissions. Je les trouve nuls. Je ne fais que les émissions que je prends plaisir à regarder. Si je m'emmerde. Ouais. Si en tant que spectateur, je trouve ça navrant, vulgaire, lamentable, racoleur et obscène, souvent, eh ben j'ai pas envie d'aller cautionner ce genre d'émission, donc je les fais pas. Voilà. Mais c'est pas dur. Bien, alors. Mais nous, je dirais pas de nom. Pas de nom, pas de nom surtout. Alors on s'est dit, voilà, nous on va faire un cadeau, et je sais que c'est un cadeau que tu vas aimer parce que. C'est une planche originale, c'est une couverture originale. C'est le prochain album de Natacha qui s'appelle Coche Mirage. Ça va sortir dans 15 jours. C'est l'original de la couverture. C'est l'original, original, original. Ça n'existera pas deux fois, ça existe une fois. Et c'est pour qui? C'est pour le et Renault. En plus, c'est une pluche. Une pluche en pour plus, Lolita. La pluche. Merci. Alors, bon. Il est fou, Walteri. Hein. Je regarde parce que je sais qu'il est par là, il est toujours par là. Ah oui, Walteri, Natacha, il est là, il est là. Eh, merci. Voilà. Merci François. Alors, c'est de la part de toute la Belgique, de toute façon. Bah ouais. Et puis alors, ce qu'on va faire maintenant, moi je le garde au chaud et je te le rends dans les coulisses. Ah ouais, c'est prendre le micro-champ pour chanter en direct pour nous une autre chanson. Ouais. Alors c'est une chanson... Pour vous et puis un petit peu plus spécialement pour Walteri. D'accord. C'est une chanson qui se moque de la TV, des radios FM du Top 50. Ouais, un petit peu. C'est une bonne philosophie. Bah, c'est pas ça, c'est que c'est pas une chanson méchante ou agressive vis-à-vis des... Du top 50. Top 50, j'ai rien contre, a priori, à part que je trouve qu'il y a environ 80% des chanteurs qui feraient bien de faire de la peinture plutôt. Ça fait moins de bruit. Je te survivras. Allez, on va chanter. Allez, on va chanter. Allongé sous les vagues, voici le roi Renaud. Allongé sous les vagues, le soleil dans les yeux, loin des cris de la plage où s'ébattent joyeux des enfants dérisoires, des crétins boutonneux, des lecteurs de François et des chiens dangereux. On est bien tous les deux, si bien que peu s'en faut qu'un aigri malheureux ne nous jette un seau d'eau. Allongé sous les vagues, s'appelle ma chanson, plus c'est con, plus ça passe à la télévision. Il faisait du soleil, elle faisait du vélo. Moi je l'ai vu pareil à Marilyn Garbeau. Sortie d'une aquarelle, dans sa chemise à poireaux, elle était plus que belle, je n'étais pas que beau, pas que beau. Elle pédalait volage dans les dunes Saint-Berg, virgule, parfumée d'eau sauvage, et ça sent pas la merde, dévorée par les nuages, s'appelle mon poème. Plus c'est con, plus ça passe sur les radios FM. Sur ma planche de surf, moi je fendais l'écume, je suais comme un bœuf, mais bon j'avais un rhume du nez, ça arrive. J'étais musclé comme un copain de Marlon Brando, qui est pas sur la photo, mais qui est musclé très bien. Quand elle m'a vu si beau comme une pierre, elle est tombée de son vélo et s'est mise à crier, poursuivie par les crabes, s'appelle ma balade. Plus c'est con, plus ça passe dans les boîtes minables. Solo.
lui et dit mignonne, viens me rejoindre à l'eau. Quand on y est, elle est bonne, quel talent, quel culot. Elle a mis dans la seconde son string tout est prise unique et a plongé dans le monde et les sacs en plastique. Depuis nous nous aimons comme s'aiment les oiseaux, les huîtres, les poissons et puis les pédalos. Qu'est-ce qu'il faut pas chanter comme conneries affligeantes pour espérer entrer un jour au top 50? Qu'est-ce qu'il faut pas chanter comme conneries édifiantes pour espérer entrer un jour au top 50? Mais là Coco, je vais te dire, là t'as pas à t'en faire. Là le tube on l'a dans la boîte. Là je te garantis 6 semaines numéro 1 du top 50 mon vieux. Ah bon? Ouais ouais, d'autant que dès la première semaine, tu vas aller toi-même dans les supermarchés avec ton petit caniche, tu vas en acheter 400 000 des 45 tours. Ah bon? Ouais, du coup t'es numéro 1. Bah merci, ça va me coûter bonbon, hein, 400 000 45 tours. Mais non banane, parce que si t'es numéro 1, la semaine suivante, t'en vends 1 million. Eh, y'en a là-dedans, hein. Par contre producteur, alors, eh, dis-moi, je pourrais avoir un clic? Ouais mon pote, on va te faire un clic, en noir et blanc même, avec des vases qui se cassent au ralenti, des filles toutes nues avec des vêtements, des maisons qui couchent dehors, des chiens qui marchent pieds nus, ça va être d'enfer. Grosse campagne marketing, on aura toutes les FM avec nous. Ah bon? Ah bah je veux, ouais. Et dis-moi, moi ce qui me gêne un petit peu quand même, c'est que dans ma chanson, il y a hachement de gros mots. Il y a hachement de gros mots, il y a hachement de gros mots, il y a quoi? Il y a François, pédalo, puis vélo, et c'est tout. Et alors, eh, le solo il est bien. C'est dommage, c'est fini maintenant. Au revoir, je m'en vais. C'était bien le solo. Merci. Je repars les bras chargés de cadeaux. Merci à tous, bonne fin de soirée et à la prochaine. Au revoir.